Bonjour, je viens pour la révision. Pour les 20 000 km. MDR, ça sent le jeté de clé imminent. Attention, 3, 2, 1. Mais que de violence! Que fait la police? Les rues sont remplies de hooligans en pyjama. Appelez vite Olivier de Carglass, il y a eu du grabuge. Laisse tomber, il y a un mec qui courait, il y a un mec qui courait à contresens, mon gars. Il y a tout le monde qui arrivait, le mec il était là comme ça à contresens. Hallucinant quoi. Ridicule. Ah oui non, hein, j'étais pas dans les bouchons là, hein. Ça c'était juste la queue pour aller à la station essence. Avec leur connerie de pénurie là. MDR, j'ai trébuché, avance, personne n'a rien vu, connerie de pavé, putain je vous jure. Oh, c'est pour vous, hein, c'est pour vous la musique, hein. Bon, bah voilà, vous avez en direct les essais sonores pour le 14 juillet. 14 juillet, MDR Nikon, on est début septembre, bien la séquence qui a 3 mois. Vivement la vidéo de la balade de Noël 2013. Un peu l'impression d'être à Disneyland hein, quand même. Hein. Ouais, un peu, ouais. On va passer une bonne soirée. Il est con lui. Merci.
Hein? Les voitures d'un peu trop près, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ce que le mec fasse demi-tour. Je pensais qu'il allait tourner à gauche, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il tourne complètement. Du coup, j'ai fait un appel de frein avant et j'ai failli me toller, quoi, parce que la roue était tournée. Et ouais, franchement, j'aurais pu me toller, quoi. Ça, leçon enregistrée, celle-là, elle est dans ma tête maintenant. Perdre 4 points lui, hein. Ça c'est fait. Bon, vous allez voir, ça va passer au vert. Moi, le temps d'aller arriver là-bas, je vais le rattraper, hein. C'est sûr et certain, quoi. C'est tout bête, quoi. C'est trop con, quoi, de se manger moins 4 points pour ça. Il y avait personne, il aurait largement pu s'arrêter, quoi. Enfin bon. Je crois que t'as été flashé au feu rouge là-bas. C'est trop con, tu sais, il y a un radar là-bas. T'as un radar de feu là-bas. Ouais, mais il est tout orange. Non, t'es passé au rouge, enfin c'était vraiment limite, quoi. Du coup, il est passé au rouge, il t'a pris après. C'est trop bête. Ouais, bon, bah, bon courage, fais gaffe à toi. Il te reste combien de points? 4 points. Il te reste 4 points, il te reste. Alors ce que tu fais, parce que les feux rouges c'est 4 points. Un feu rouge c'est 4 points direct, donc là si tu te fais, t'as plus de permis en gros. Donc ce que tu fais, c'est que tu fais un stage en urgence, stage de récupération de points, et tu payes après. Tant que tu payes pas l'amende, ils peuvent pas t'enlever les points. Okay. Donc fais le stage rapidement, mais paye surtout pas l'amende, parce que sinon après c'est trop tard. Okay. Ça marche? Merci. Pardon? Ah, j'ai juste un orange. Eh ouais. Vous vous rappelez ce petit monsieur là qui était qui m'avait demandé de lui donner de l'argent? J'étais sur la moto, j'avais pas pu. Eh ben écoute, voilà, je lui aurais bien donné à lui, donc bah écoute, ça peut te servir à toi. Grand bien te fasse. Bonjour monsieur. Je suis à côté de la plaque, hein. Je suis désolé. Ah ouais, un peu, ouais. Pourquoi vous avez mis des stickers en mode tribal de gay là? On dirait les magazines de tuning. Mais putain, un stalker. Laisse mon rétro, enculé. C'est un stalker. Hein? Bah ouais, on dirait les trucs que t'as dans ADDX Magazine là, quand t'avais 15 piges. Jean-Michel Fazer qui s'est pas démarré. Alors nous voici donc les quatre mousquetaires en route pour une station essence ouverte de nuit dans Paris. Il est quand même 4h du matin. Autant vous dire que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, il y a le périphérique qui existe, et sur le périphérique, il y a une station BP au niveau des portes de Champéret qui, sachez-le, est ouverte 24h sur 24. Oh, il est sale, je sais. Donc voilà, donc direction une station essence porte de Champéret pour pouvoir dépanner un ami
qui se trouve en panne, boulevard Magenta. Donc autant vous dire qu'on va faire une belle petite boucle ce soir pour aller le dépanner. Voilà, bah, c'est ça l'esprit motard tout simplement. Recevoir un appel dans la soirée. Heureusement qu'on était sur Paris, donc du coup on va pouvoir aller le secourir. Et puis bah voilà. Voilà, donc direction la station essence pour remplir une bouteille d'eau en plastoc qu'on a réussi à choper dans un bar, d'ailleurs dans le bar où on était. Ah ouais, bah YBR 125 forcément. Ah, il a failli partir en roue. Il a failli lever. Porte de Champéret qui est tout le temps ouverte, voilà, sachez-le, si vous avez une galère des fois pour trouver de l'essence, et bah il y a celle-ci. Bon, elle est un peu chère par contre, hein, forcément vous payez quand même le... Bah alors, où est-ce qu'ils vont? Bah mais c'est gouré, c'est pas là. Non, il s'est gouré, c'était pas ici. Où est-ce qu'on est? Ok, on s'est complètement perdu quoi. Bon, concrètement, on s'est complètement paumé, je suis jamais venu ici. D'entretien, je sais pas du tout ce que c'était, mais on s'est complètement perdu quoi. Bon, finalement on est allé à la station Total de Porte de Saint-Ouen. Mais t'es allé où là tout à l'heure? Là on est allé dans le local entretien du périph quoi. Où est-ce que tu nous as emmené? Tu t'es complètement paumé quoi. Bon, très bien. Le mec qui ouvre la route, il sait pas où il va quoi. Putain, faut que je pisse forcément, on va rien avoir pour pisser là. Ah, fais chier. Je reviens, je vais pisser. Bon, donc du coup, on vient de me piquer le CBR sous mes yeux là. Donc je me trouve avec cette grosse merde là, un espèce de Street Triple R Triumph 675 là, je sais pas trop ce que ça vaut ce truc là. Au bruit qu'il fait, autant vous dire que je pense que ça va caler dès la première. Il y a un espèce de truc ici, je sais pas trop à quoi ça sert non plus, bon bref on verra bien. Oh putain. Bon, et là, je flippe ma mère de monter sur cette putain de bécane. Elle est juste monstrueuse. Je vais vous faire un petit test de cette moto parce que mon pote Anthony veut absolument que je fasse un essai de sa moto et que je lui fasse une petite vidéo dédicace, voilà, pour la tester. Donc, avance avec ton XJ6, toi, barre-toi là. Donc voilà, on va se tester cette petite anglaise. Et ouais putain, la première fois que je monte sur un street, j'en entends tellement parler en bien d'ailleurs. Donc bah écoutez voilà, on va aller se tester ça. Bon ouais, j'espère qu'il va pas me cracher le CBR, mais bon d'un côté il a beaucoup plus d'expérience que moi, donc bon. Allez c'est parti. Oh
bizarre. Ah, ça pousse. Ah, ça pousse très très fort. Zachary, on dirait un livreur de pizza asiatique. Ils sont habillés pareil, les mecs. C'est impossible de rester à... Enfin, comment dire... De rouler à la limitation de vitesse autorisée, quoi. Enfin, c'est possible, quoi. C'est... Je veux pas dire que c'est impossible, parce que si, c'est possible. Mais putain, comment que c'est pousse au crime, quoi. C'est très compliqué, quand même, hein. Très, très, très compliqué de rester à la limitation de vitesse autorisée, quoi. Un petit peu plus complémentaire sur le street, parce que le tester vraiment comme j'aimerais le tester dans Paris, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible du tout. Le truc, il est bourrin de malade, putain. Laisse tomber, ça pousse en cinquième. T'as l'impression d'être en première, quoi. Par contre, il fait un putain de bruit. Oh là là. C'est vraiment beaucoup, enfin, faudrait que je lui demande, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est beaucoup plus léger que le CBR. Faudrait que je lui demande, mais en tout cas c'est beaucoup plus maniable. Oh là 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 là, le feu d'artifice.